Donc, du coup, on va aller sur sol. Ah, je peux choisir cette fois-ci, tiens. D'habitude, ça rentre pas sur le système. Est-ce que c'est spécifique au système complet? Ah, est-ce que ça va mettre. Ouais, tu vas mettre où là? Directement sur Vénus. Oui, bon, ok. T'as bien pris en compte la planète que j'ai sélectionnée. Attendez, regardez. Un vaisseau à la dérive. Pas le temps d'admirer la vue. Il pourrait s'agir de notre avant-garde. Ok, mais tu te calmes quand même. Je voulais scanner moi la planète, hein. Ok. Quelque chose cloche. L'armement du vaisseau vient de s'allumer. Préparez-vous. De nous tirer dessus et nous serons ravis de vous répondre. J'y ai pour rien. Les mercenaires ont piraté mon vaisseau. J'en ai blanchi quelques-uns, mais ils m'ont enfermé. J'aurais vraiment besoin d'un coup de main. Si ce vaisseau finit par exploser, ce type est mort et notre artefact avec. On va devoir aborder. Visez les moteurs. Une fois immobilisés, on aura notre chance. Autour de moi là. Vous pouvez aborder la plupart des vaisseaux hostiles. Une fois que le moteur sont au service, vous devez vous rapprocher du vaisseau, blablabla. C'est ça. Lancez la procédure d'amarrage. C'est parti. Allons sauver cette avant-garde. Alors, excusez-moi, mais je pense que c'est pas la procédure d'amarrage, ça. J'ai tapé dedans et je suis sorti de mon siège. C'est mieux quand même. Eux pour sélectionner, pas rester appuyé sur eux. Ah oui, c'est on fire toi, c'est indirect. Hein. On va peut-être sélectionner une bonne arme. Y'a plus beaucoup de balles de celle-là. Off, ok. J'ai utilisé Grendel. 900 balles. Je crois qu'on est peut-être en corps à corps. Ouais, je teste l'alarme de corps à corps. J'imagine que sur un vaisseau, ça y a pas 10 km de distance. Hein. Chargé par contre. Oups, plus de cachette. Efficace. Ah. Et moi. Parler, on va fouiller ton vaisseau parce qu'il y a deux trois trucs intéressants, j'imagine. Tac.
J'imagine trop peut-être ça. Y'a vraiment rien? Non. Oh, je suis déçu. Ok. Deux enduits, c'est tout. Quand il fait froid comme ça, rien de tel qu'une bonne flasque de whisky pour se réchauffer. D'accord. Du coup... Ah, t'es encore en vie. Pour l'instant. Je suis ravi de vous rencontrer. Qui que vous soyez. Personne n'est blessé, visiblement. Encore une belle journée, donc. Alors, je dirais pas ça pour les ennemis qu'on vient de croiser, hein. En plus que baissé, hein. Corriger un vaisseau hostile et sauver des vies. Mon quotidien. Je connais ce genre de discours. Vous êtes des Marines? Des membres de Constellation. Non, sérieusement? Bah ça alors, j'ai entendu parler de vous, mais je vous pensais pas si redoutable. Nous aussi, on a entendu des histoires. À propos d'un objet étrange que vous auriez trouvé pendant une patrouille. Ah, donc vous savez ce que c'est? J'ai tenté de le mettre en gage à Sidonia, mais le type m'a pris pour un trafiquant de faux titane. Il rend les scanners fous. Il serait contre-productif pour quelqu'un cherchant à refourguer rapidement des minerais rares. Donc je devrais éviter d'en faire la figure de proue du vaisseau. Je vais bougonner au nom des scientifiques de tout l'univers, puis vous me remettrez l'artefact. Je suis navré. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais j'imagine que c'est la raison de votre présence. Tenez, vous m'avez sauvé la vie. Je vous dois bien ça. Récupérons l'artefact. Ok, sans aucune négociation. Ah oui, il est là. Okay. Au boulot. Rentrons à la loge. Ok. On va croiser des ennemis, peut-être. Vous aviez un grain de poussière sur l'épaule. Ok. Cette fois-ci, je rentre pas sur le système. Comment j'ai fait? J'ai fait un double clic. Vous entrez dans l'espace de l'Union coloniale. Oh. Maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande. Ah, ça dépend peut-être s'il faut être canné ou pas. C'est bon, nous avons terminé. Autorisation d'atterrissage à New Atlantis. On va directement à la loge. Ah non, faut que j'aille vendre ce que j'ai déjà. Sauf que du coup, le vendeur de base n'a pas reset, j'imagine. Oh bah. Ah, taille de star. Du 27. Et deux fois. Ah ouais, je regarde. Et c'est tout. Ah si, des casques. Tenue. Éviter de vendre ça. Pour quelque chose?
Alors, du coup... côté armes, j'ai quoi comme side star de base? C'est celui-là. Celui-là fait beaucoup plus de dégâts. N'importe quoi. Fait les mêmes dégâts. Point de portée, plus de chargeur. Et applique alternativement un effet de saignement sur la cible. Puis pas mal. Et l'autre. Moins de portée, moins de précision. Les dégâts augmentent à mesure que vos points de vue diminuent. Inflige alternativement des dégâts incendiaires. Lequel? Ça fait saignement, c'est parti. C'est pas le même dégât. Hop, voilà. J'espère que vous trouvez. Jetez un œil. Hop. Ok. Et les notes, oui, voilà. Et une planète, ça se revend. Ok. Merci pour vos... Oh, mais de rien. Carte... la loge. Yes. Je suis à votre service, capitaine. Oui. Allez. Ça rentre. Il y a eu un pic d'énergie, mais il s'est stabilisé. Il y a du nouveau ? Non, comme les autres fois. On observe une émission massive à l'ajout de l'artefact, puis tout s'harmonise. Comme s'il attendait les autres. C'est de la pure spéculation. Mais vous avez sans doute raison. Il nous faut les autres. Tenez. Vous l'avez bien mérité. Bienvenue dans Constellation, en tant que membre à part entière, cette fois. Oh, bah c'est un honneur de faire partie du club. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Tous ensemble. À ce propos, ça vous dirait qu'on continue à voyager ensemble? Je ne compte pas rester assise derrière mon bureau. Ces artefacts ouvrent un nouveau chapitre de Constellation et je compte bien l'écrire. Et j'ai aussi besoin de vous. Vous obtenez des résultats, mais j'ai besoin que quelqu'un comme vous surveille mes arrières. Bah avec plaisir, Sarah, hein. Retenons-y. Bien, nous avons plusieurs pistes à étudier. Tout d'abord, Samko a monté une expédition. Il vise la Confédération Liber Astra, et il la connaît comme sa poche. Ensuite, il y a aussi notre station Iris. Il serait temps que vous rencontriez Vladimir. Il passe sa vie à recenser des anomalies. Et le meilleur pour la fin... Noël, on a des nouvelles de Barrett ? Un coursier d'Argos Extractor est venu nous dire qu'il fermait l'opération sur Vectera. Mais c'est tout, rien de plus. Je n'aime pas ça du tout. Nous ferions bien d'y aller pour voir Barrett en personne. Ok, maintenant la quête, le vieux quartier est terminé. Ok. Vous avez débloqué, voilà, c'est ça, plein de... Selon comment on va partir. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire comme quête secondaire? Aller à l'avant-poste secret. On va se balader un petit peu.
J'espère que vos quartiers vous satisfont pleinement. Bah tiens, est-ce que j'ai des choses à mettre spécifiquement dans... là-dedans. Visiblement non. Ok, alors... on va décoller... et la quête nous emmène où, cette fois-ci? Ouh, c'est loin. Niveau 30. Ah! Je pense que c'est un petit rapport pour dire que... non, trop tôt. Ouais, je vais peut-être éviter d'aller à un truc où c'est écrit niveau 30. On va aller plutôt là-dessus. Ça a l'air quand même plus sympa. Ouais, peut-être. Mettre le cap. Itinéraire inexploré. Vous n'avez pas exploré tous les systèmes de cette route. Arrêtez-vous dans un système plus proche. Oh. Ok. Et de système en système tranquillement. Waouh. Ça fait tellement de systèmes. Ça veut dire qu'il me disait d'aller là, donc j'aille là en premier. Bon, ça non. Ouais, c'est à côté, oui, je suis d'à côté. Complet, nous sommes prêts au départ. L'Almagast, lieu découvert. Le lieu de ma quête. Pourquoi j'ai une quête ici? Est-ce que du coup ça me permet d'aller là où je dois aller? Ok. On attente. Ah! Il se passait quelque chose? Je t'ai sauvegardé avant. C'est rare qu'il me demande de sauter. Level up, visiblement. Et c'est bon pour nous. Profitez bien de l'air d'Aquila City. Ok, bon, j'ai level up. Je peux encore augmenter assez pour faire niveau supérieur de marchand. Persuasion, malheureusement pas assez non plus. Encore deux persuasions. Chance de trouver des objets de soins supplémentaires comme des kits de soins ou des drogues en fouillant des conteneurs. Et... servir, hein. On va partir là-dessus. Hein. Donc, ici, je pourrais attaquer le deuxième rang. Hein. Ok. Compris. Augmente de 10% le niveau jusqu'à laquelle les vaisseaux accèdent automatiquement aux demandes de piraterie. Vous pouvez contraindre momentanément un PNJ ciblé à votre de votre niveau inférieur à arrêter de se battre. Vous pouvez forcer un PNJ ciblé d'autre niveau 1 pour s'enfuir.
J'ai 10% de dégâts supplémentaires avec vos armes et gagné. Ok. En absence de compagnon, ouais, non. Vous avez maintenant accès au pot de vin pour les défis d'éloquence. Ok. Bah on va atterrir quand même. Là on va du coup chez l'autre groupe, pays, comment appeler ça d'ailleurs. Cette aventure. Ok. Ah, ils ont pas de vendeur à l'accueil non plus. Aquila City. Ah si, ils ont un vendeur à l'accueil. Aquila City. Par contre... Vendre, ah ouais, si. Pas de problème. Pas l'air foufou, hein, cette zone. Oui, je peux avoir une facture. Pourquoi faire ? Politique d'entreprise. Ça vous dérange si je l'écris sur une feuille volante ? Tant que c'est écrit et signé, ça pourrait même être sur une tranche de pain. Seulement tous les ports spatiaux étaient comme celui d'Aquila City. Achichi. Hé, hey, que puis-je faire pour vous ? Technicien de vaisseau, ok. Aquila City. Ah ouais, c'est... Je m'attendais pas à ça, après être parti de... Je crois que c'était une capitale, moi. Spécial, quand même. Plus un geste. Par ordre du Marshal Daniel Blake, je vous informe que nous avons un problème à la Galbank. Des citoyens peuvent être en danger. Je vous conseille de rester à l'écart. Ah, si des gens sont en danger, je vais aider. Ce sera sans doute au Marshal d'en décider. Franchement, ça se passe pas bien. On dirait bien une impasse. Peut-être qu'un peu d'aide extérieure sera utile. Ok. Ça m'a raconté tellement d'histoires à propos d'Aquila City que j'ai l'impression d'y avoir vécu toute ma vie. Vous comptez nous dire vos exigences à un moment donné ? Trouvez quelqu'un en qui on peut avoir confiance. J'espère que mon tour de garde se termine. Comme bien. Qui ? Mon mec va s'impatienter. Ni l'un de vos rangers, ni l'un des agents de la ville. Et comment je suis censé faire alors ? Bah, je peux aider, hein, visiblement, je suis dispo. Un braquage avorté, bah, ça s'est déclenché direct, hein, ok. Vous devez reculer, maintenant. On dirait que vous avez besoin d'un petit peu d'aide. Sans vouloir être mal poli, on se connaît pas. Maintenant, reculez, s'il vous plaît. Des vies sont en jeu, laissez-moi vous aider. J'aimerais pouvoir dire que vous avez tort. Mais je suis vraiment au pied du mur. Des types du gang de Chou ont tenté de braquer la banque, mais ils ont été repérés par un garde. Ils ont pris tous les gens qui s'y trouvaient en otage et surveillent l'extérieur. On peut pas les attaquer. Ils utilisent l'intercom pour communiquer. Ils ont bien dû exprimer des exigences alors qu'il est. Ils veulent pas me parler. Ils font pas confiance aux insignes. Ils veulent un négociateur neutre. En d'autres termes, ils avaient pas prévu ça. Et ils essaient de gagner du temps pour trouver un plan. Je peux peut-être les raisonner ? Je veux bien vous laisser essayer. Mais qu'on soit clair. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais quoi qu'il demande, je l'accepterai jamais. Et n'oubliez pas qu'il y a des vies en jeu. Alors prenez pas ça à la légère. Découvrez ce qu'ils veulent, et revenez m'en informer.
J'espère vraiment que vous savez ce que vous faites. Oui. Vous, dans la banque. J'envoie quelqu'un négocier. Alors tirez pas. Sécurité ici, c'est qu'une vaste blague. On dirait qu'on va avoir de l'action sur les bras. Ok. Alors comme ça, vous venez pour négocier ? Si oui. Vous pensez que vous avez juste à vous pointer pour qu'on se rende, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Ah, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera que si vous êtes prêt à coopérer. Nous coopérerons quand nous aurons ce que nous voulons. Alors, comment est-ce que je peux savoir que vous serez réglo avec nous ? Je vous en donne ma parole, je veux simplement aider. Je vous connais pas. Votre parole ne vaut rien pour moi. Ouf. Je ne suis pas ici pour prendre parti. J'y crois pas. Hey, calmez-vous. Bon, je vois que vous n'êtes pas un toutou du Marshall. Vous voulez la même chose que nous. Une fin heureuse avec aucun blessé. Alors discutons. Dites-moi vos exigences. Nous voulons la garantie d'un accès au port spatial et un vaisseau. On libérera les otages dans un endroit sûr du système. Après ça, on vous donnera leurs coordonnées et le Marshall et son équipe pourront les récupérer. Mais si qui que ce soit nous suit lorsque nous passons en orbite, nous commencerons à les abattre. Ah, ça risque de prendre du temps, vous trouvez un vaisseau. La Pola, elle en a des vaisseaux. Ils peuvent nous en donner un. Toute cette affaire a mal tourné. C'était censé être un coup rapide, propre, simple, vous voyez ? Alors, essayons de garder la tête froide, ok ? Parce que mes gars deviennent fous là-dedans. Je sais pas combien de temps on peut tenir. Oh, il n'est pas trop tard pour mettre un terme à tout ça, de manière pacifique. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si vous vous rendez, vous irez en prison, c'est sûr, mais bien moins longtemps que si vous tuez un otage. Bordel ! J'avais pas vu ça sous cet angle. Ça va être chaud de réussir toutes les persuasions, par contre. Déposez les armes et vous en tirez peut-être à bon compte. Vous avez peut-être raison. Si personne n'est blessé, on passera pas le restant de nos jours en tôle. Ah, vous risquez sacrément vos vies, vous savez. Ouais, bien essayé. Mais le gang de Shaw est passif. C'est trop tard pour faire marche arrière. Allez dire au Marshall de préparer. Ah, faut que j'y arrive, quoi. Va être chaud quand même à réussir à toutes les. Il y a deux persuasions à passer quand même. La première, je l'ai auto-validée, donc je peux essayer d'auto-valider la deuxième, plutôt. Et faire la première en... Je n'ai aucune idée de comment ça va se faire. Alors comme ça, vous venez pour négocier... Si vous pensez que vous avez juste... Nous coopérons. Alors... Faut que je fasse normalement, celle-ci. Oh, il y en a beaucoup, quand même. Ah. Combien de points ? 3 et 3. 3, 3 et 2, faut que je fasse. Hein. Vous devez avoir envie de changer de décor maintenant, pas vrai ? Pas direct. J'ai trop hâte de me tirer d'ici. Bon, je vois que vous n'êtes pas un toutou du Marshall. Alors discutons. Dites-moi vos exigences, ça j'ai dit. Après ça, on vous donnera. Mais si qui que ce soit nous. La Pola, ça... elle en a. Alors. Persuader. Alors, la deuxième persuasion, est-ce que je peux la valider en automatique ? Je crois pas qu'aucun ouais. De nous ici soit prêt à mourir. Personne n'a été blessé. Peut-être que le juge sera pas trop sévère avec nous. Ouais. Je crois que ça a assez duré. Allez dire au Marshall qu'on se rendra calmement. Ouais. Bien joué. En tant que représentant de Constellation, nous devrions toujours nous efforcer d'éviter les conflits. Ça sera pas toujours le cas. Hein. Je l'ai tout de suite. Et du coup, ça me permet... Ah non, oui, du coup j'ai pas de points en stock. Et quand je pourrais prendre le rang supérieur. Dites-moi tout, on nous ridiculise tous. C'est terminé, ils sont d'accord pour se rendre. Je l'aurais jamais cru. Comment vous avez réussi ça ? Mon charme irrésistible les a fait succomber. En tout cas, vous manquez pas d'assurance. Je suis sûr que vous arriveriez à vendre de la poudre à un poudreux. Tenez, vous l'avez bien mérité.
Vous nous avez tirés d'un sacré merdier. Vous manquez pas de courage. En fait, vous avez peut-être exactement ce qu'il faut pour rejoindre la Pola. Si ça vous intéresse, allez au Rocher et demandez à voir Emma Wilcox. C'est elle qui s'occupe des nouvelles recrues. Ok, donc un jeu à voir, peut-être commencer et terminer. Excellent travail.